Yo, moi, c'est Andreas. Et si tu te demandes comment j'en suis arrivé là à me faire arracher de la cire par un mec que je connais pas, sache au moins que ce chemin fut tumultueux et je vais vous raconter. Cette histoire commence comme toutes les histoires. Une discussion banale avec un pote qui me dit « Mais Andreas, viens à Dubaï, à Paris, il fait froid, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, viens à Dubaï, viens à Dubaï. » Le problème, c'est qu'à la base, moi, j'avais prévu des répétitions pour un spectacle avec une compagnie de danse. Et comme en ce moment, on n'a pas beaucoup de spectacles, je me voyais mal tout annuler pour aller me la couler tous à Dubaï. Du coup, j'ai répondu « Merci frérot, mais désolé, je peux pas venir, j'ai des répétitions pour un show. » Mais le lendemain, on m'annonce que les répétitions de mon spectacle sont décalées, ce qui me laisse le temps d'aller prendre mon billet, aller faire le test. J'aime pas ça. Et faire une surprise à Séan. Direction La Défense pour un tournage prévu avec Annie qui s'occupe de la nouvelle vidéo de Lena Situation qui, comme vous l'avez vu dans le prank de McFly et Carito, a duré très très longtemps. J'ai mal à la tête. Du coup, après des heures de tournage dans le froid, je suis enfin libre pour rentrer chez moi et me préparer pour ce voyage et ce premier prank. Merci beaucoup. Au revoir. Yo la famille, arrivé enfin à Dubaï pour faire un prank à Séan. Ça va être compliqué. Soula, elle dort, c'était mon complice. Mais il y a son coach, Kevin, qui prend le relais et qui m'attend chez Séan pour m'ouvrir, etc. On va voir comment ça se passe, j'espère que je vais réussir à faire ce prank. C'est comme dingue ce que je viens de faire. Séan, il est pas au courant du tout, les frères. Et là, je suis devant chez lui. On a galère à trouver. Maintenant, le but, c'est pas de se faire cramer. Et là, ça va être chaud. Je l'ai là, putain. Il est là. Putain, de bâtard. Je sais pas comment faire. Non, j'avoue, je sais pas. Je voulais le réveiller. C'est un je suis en retard. Mais laisse-moi dormir, ça me... Faut que tu me réveilles maintenant, parce qu'après, ça serait tout ce... Non, qu'est-ce que tu fous là, toi? Wesh. Wesh. Ouais, j'en reviens. Il est tôt là. On a un show, ouais, j'étais putain. Vas-y, hein? On a un show. Je comprends rien. On y va. T'es en retard, ouais. Voilà, je suis pas très bon pour les pranks, mais on est là. Bah, pranké. Bah, si, je t'ai franqué. Bah, non, parce que j'ai compris le côté de là. Attends, petit bonhomme. Incroyable. Si, je suis fou là. J'ai. Mes répètes, elles sont décalées. Ouais. Du coup, j'ai 4 jours. Ah, t'es venu, bam. Les autres, ils savent pas. Hein. Bah, voilà. Bam, bien joué. Mais ce qui m'a choqué, c'est que t'as dormi ici. Ça, j'ai pas compris ça. Comment t'as fait? Je sais pas, j'avais l'impression que j'étais un agent secret du KGB, mon frère. Laisse tomber. C'est incroyable. Bien joué. Ah, ça tue. Ok, bravo. Allez, Ryan, laisse préparer, on va à l'école. Non. Il est comme tous les S3. Ouais. Allez, va te préparer, on va à l'école. Je déteste la prod. Mon challenge, c'est de me refaire un corps. Je dois perdre 10 kilos en 30 jours. Si je peux pas m'occuper au moins du bas du corps parce que je suis blessé encore, je m'occupe du haut. Je vais devenir une bebon, frérot. Aïe. Je sais pas si tu te rappelles. Oh, des petits noix de cajou. Je déteste les noirs. Mais j'en mange maintenant. Et ça va, t'apprécies? J'apprécie à moitié. Pour moi, la bouffe, c'est une obligation. On est juste obligé. Faut se nourrir, c'est comme de l'essence. Ah. Voilà, c'est comme ça que je pense. Hein. Ah, ça, c'est Cristiano Ronaldo. On n'a pas le choix, on n'a pas le temps. Ryan, t'es content d'aller à l'école? Très content, Daddy? Oh merde. Bye bye. Bye bye, Kiki. Bon voilà, les enfants sont déposés. Là, direct, on va appeler le coach, on va dire on arrive à la salle de sport. Maintenant, c'est le charbon. Il faut, les gars, il faut. Et ouais, il faut. Parce que j'ai des gros objectifs. Donc, je me mets dedans. Welcome to my house. C'est pour toi. Putain. C'est lui, parce qu'on a salle. Faut tirer l'île Kev. Wesh, l'île Kev. Voilà le coach complice. Il est là. Andreas, il nous a rejoint. Il m'a mis dans une merde hier, j'ai pas pu dormir à cause de lui et tout ça. J'ai dû aller me coucher tard et là je suis un peu fatigué. Et heureusement que Théane m'a préparé le café. Bon coach, qu'est-ce qu'il doit faire là? Il doit faire 5 à 10 minutes d'échauffement et ensuite il doit donc faire 30 secondes d'accélération, 30 secondes de récupération. Donc il pédalera beaucoup plus lentement. Et là il va brûler énormément de calories. Ah, putain, alors ça on va où maintenant? Là on a rendez-vous avec un influenceur, conférencier, motivateur, speaker. Que, en gros il est à Dubaï, on s'était rencontré il y a peut-être 5-6 ans sur la France, on faisait une conférence pour TEDx, chacun il a évolué dans son domaine et on s'était dit ah t'es sur Dubaï, vas-y on va se capter et tout. Donc du coup bah, voilà c'est le créneau, juste avant d'aller chercher les enfants à l'école, c'est parfait, on va voir JBR, la petite promenade, posée dans un beau cadre après avoir fait la séance de sport. C'est toujours bien de faire des rendez-vous un peu le matin, ça me permet de rester dans l'endroit pour après être plus proche pour aller chercher mes enfants plutôt que de rentrer à la maison et de repartir. Donc optimisation du temps très important. Là on est en train de marcher, on est sur la plage après la séance intensive. Andreas m'a perdu une balle en jouant à 1 contre 1. Oh, oh la spéciale. Ouh je la voyais arriver. Oh non non. Andreas merci. Bref, du coup c'est toujours bien de rencontrer des gens qui sont dans différentes areas pour échanger sur les différentes tendances, comment ils réussissent dans la vie et tout. Ça te permet de donner de nouvelles idées, de donner de la positive énergie. Bonjour. Bonjour, enchanté Andreas. Je suis venu avec un collègue à moi, parce qu'il m'a pranké, il est débarqué à Dubaï sans me le dire, donc ouais, pas... voilà, il n'y a pas de chance. C'est la même chose, on trinque un verre. C'est même exactement, c'est clair. Incroyable, Séan, je viens à Dubaï et regardez... Regardez, elle me suit partout. Même eh oui, Aquapana frérot. Bah, c'était ça mon... Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est pas c'est tu prends une petite. Ah, tu prends des photos? Ouais, on va en capture d'écran. Ah, merci. Là, voilà, on a fait une petite rencontre, c'est ça que, comme je vous disais, avec David, David Laroche, comment on pourrait te qualifier en un terme rapide? En terme rapide, bah je sais pas, j'aime bien entrepreneur. Voilà, voilà entrepreneur que j'avais rencontré comme je l'ai dit sur une conférence et j'ai regardé un peu ce qu'il faisait et tout, super intéressant et en fait la vérité, moi on fait du freestyle, on fait des tricks avec un ballon mais le but du jeu c'est de connecter avec les gens et de connecter avec des mecs qui ont des énergies positives, qui veulent faire des trucs et tout, c'est archi enrichissant et je vous conseille vraiment de faire ça, d'essayer de rencontrer plein de gens, ça va vous donner plein de directions. Donc voilà, toujours prendre un petit peu de temps pour connecter. C'est bon ça. Bon voilà, on vient de finir un petit repas avec David Laroche. Franchement, ce gars-là, j'avais déjà vu des vidéos de lui sur Facebook, je crois, et il m'avait grave motivé. Donc c'était un réel plaisir de le rencontrer. Très belle discussion, franchement, beaucoup de réflexion après cette discussion, donc intéressant. Et là, on va chercher les enfants. On devait être là-bas à 13h. Il est quelle heure? 13h48, on va... Wow. Sorry, I'm really late. Let's go, on va dans la voiture. Changement de caméra, il n'y a plus de batterie, c'est on va où maintenant? On va au physio, donc on a déposé les enfants, voilà ils ont été très bien réceptionnés par la maman. Ensuite là on part, donc 15h j'ai ma séance de physio et entre temps on va essayer de caler la séance de cryothérapie. D'où là ça fait mal? En bas là ça me défonce. On souffre, mais pas pour être beau cette fois-ci. Ça fait quoi Séan? Ouais des petits tac tac tac. Ok, là on va à la cryothérapie, c'est-à-dire après avoir souffert le martyr avec le physio, là on va faire du froid pour calmer les inflammations. Et apparemment il a ramené toute la France, Dylan. Ouais. Oh là 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 là. Là on va à la cryo, moins 190 degrés, j'ai un compagnon avec moi, j'ai Dylan. On va voir qui va craquer. Tout maximum, hein. Ouais, maximum. We know. No problème. Ok, let's go. Let's go. Allez, on a 15 secondes, ça. Oh. Un clip de rap, c'est un clip de rap. Ouais, bon là. Oh, c'est froid. It was really good, c'était super cool. Dylan il m'a accompagné and to be honest, to make it in group, it's really nice. Vous pouvez faire à 4 en même temps. C'est archi stylé et du coup ça te fait passer le temps plus rapidement. Franchement c'est un bon délire, la récupération un max de ouf. Moi je vous conseille d'aller à la douche avant de le faire. Non je dis que non, sinon vous allez. Ok donc là on est arrivé dans mon manque. Parce que tu vois t'as vu la coupe de cheveux de merde. La barbe faut raser, donc j'ai ramené Andreas au barbershop. Il va se faire barber ici. Et chez Ahmed, tranquille, c'est mon barbeur attitré à Dubaï. Et ouais c'est le meilleur, par contre on va faire un truc trop canon. on connaît là, voilà, c'est important de prendre soin de ça. Surtout quand tu fais grave des vidéos, c'est important de look good, tu vois. T'as compris ou pas? Donc là, un petit détente pour Andreas, qu'il est archi fatigué, vous voyez pas la caméra, mais tu vois comment il est KO technique. Le mec, là, il est. Oh, j'ai pas dormi depuis je sais pas combien de temps. Il est fatigué. Donc là, on va gérer un peu les côtés, là, parce qu'il y a quelque chose à faire. On va gérer la barre, là. Il y a tout à refaire. Là. Ok. J'étais archi pas prêt. Ah là-bas, je voulais qu'il me coupe juste un peu. Et là, il est en train de faire de la peinture sur mes vœux. Il est en train de peindre mes vœux en moutarde. C'est un truc de ouf. Voilà. La suite, tu la connais. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On tient encore à s'excuser de la part de toute la team S3, car en ce moment, c'est dur de faire des vidéos. Mais bon, on espère revenir bientôt. D'ici là, la recette n'a pas changé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, abonne-toi.